Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tout le monde de Kombo. Dans là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manina, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro, Télémanagement, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, on il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Se parpille à travers le monde. Tosa Bongo, lundi 20 mai 2024. Tola Mouki, Namoa, Ndungu, Ndungu, Yamayo, Eleka, Kilobi, Moleki, Awana ville, province à Kinshasa, Wapi, armée, et Zali, quoi affirmer, qu'on déjoué Bongo, coup d'État, na Mboka, Congo, selon ma information, Zali, na possession, na Bisso, Bassaya, Ongo, ba prévoya qui, qu'on attaquer Bongo, résidence. Il y a madame la première ministre, tant que qui adresse n'a été, Kenda qui bongo nanda kouya ministre de la défense Jean-Pierre Bemba, Wabisika Zala qui te, Sataka qui bongo nanda kouya Vital Kamere honorable, ou Azali bongo, le Kolamoto, ou Akozala président, y a Assemblée nationale. Plus de réponses, plus de questions que de réponses ce matin, puisque enquête est en cours. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment Bandeko a bakat ici Tibako m'a parlé de la nation, tout moni ba image qu'on circulait sur le réseau social, wabisika bazui un temps bon à ça la live na baron ko bake bazui pouvoir na Kinshasa ko luka pouvoir comment ba se ba komi ba se retrouver kuna comment ba sali pona ko pénétrer parler de la nation ko pénétrer même ville province à Kinshasa na ba arme alors que autorité, salut Kosala Monsala, qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi et comment nous allons essayer de répondre à ces questions, puisque il y a tant de questions à qui profitent ces scénarios au Essale Maki Lobby. Maintenant, pourquoi na Kinshasa, ton auteur qui peut concerner mon nom au Essale Maki, en ville province à Kinshasa, la stade de Martyr, Wapisika, Moïse Mbiye, Mokoya, Bameloman, Congolais, Aebaki, Bongo, Ko. Se produire na Niboso ya ba na Nzambe belo bazala ki sur place, il y a de questions qui se posent, comment le matin il faut avoir un coup d'état raté et le soir cancer et salami et petit samité. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, nous allons essayer d'en parler au cours de cette émission. Otoyebi tisikoyo ezali que commanditaire, il y a Actoana, Christian Malanga, un certain Congolais de la diaspora vivant aux États-Unis, à Zalaki neutralisé. Donc, à Bakboma qui est à ma troupe Naé, au Bazalaki sur place, Bazalaki capturé na ba force de l'ordre. Mais na Kati na Bango, trois Bazalaki Bongo na nationalité américaine. Est-ce que Zalaki na soutien à Bambo comme sous ce sont de questions? Oezo, Baluka, Baluka, na ba esprit à ba Congolais. Nous allons essayer de répondre avant même que Tozoa même, conclusion, il y a mon sala, il y a mon quête, il y a Salima. Quatre invités pour ce matin, c'est spécial. Il s'agit de Congo, il s'agit de notre pays. Pona Congo. Tozoa Nandeko, Jean-Claude Mubenga, mon amboka, vous êtes diaspora, congolais de la diaspora, vous vivez aux États-Unis. Mbote, pebo ebola. Mbote, maman Naomi, na ba de Cognos, Tozoa Nabango, le Lona Plateau. Et c'est mon mingue pour se retrouver sur la plateau. Oui. Mouvement où est-ce que lobby à Madben en Boko Labisso et Routine Mikilia Bapaya Obisika Binobovandi. Est-ce que vous avez connu ces messieurs, ces fameux Christian Malanga, auteur oui. De ces crimes? Christian Malanga, c'est mon amboka. Il est congolais, comme Bissonyo soit. Aza parmi
peu bouillant. Tout ça, il y a diaspora, il y a un mouvement de combattants. À l'époque, ancien régime, tout ça, qui moi, comme ça, Mungongo, pour que Batoyo, que Namboka, Biso, Bazo, Bouma, Bazo, Sala, Biso, Mabe, tout ça, Bilo, Gognos, Namboka, mais tout ça, bénéficier dans l'autre parce que il y a la même mise, il y a le Papa, le Baki, Bolo, la Mabok, on a bien en Afrique, parce que ce sont ces impérialistes qui sont à la base, il y a frustration, Biso, Africain en général et les Congolais en particulier. Alors, Christian, c'était un jeune parce qu'il est plus jeune que moi. Il est né en 1983, si je ne m'abuse pas. Il vivait dans l'état de Utah. Et ça, état Mouké, il y a États-Unis, place siège à Mormon. Vous avez vu ce qui est l'église des saints des derniers jours. Il est mort à Mokona Bango, à Kota Kikuna, mais il n'avait pas eu la nationalité parce que Azaki est un peu turbulent. Il a eu des antécédents judiciaires dans Mokawana. Alors, on a 5 ans déjà. Aux a propre ok le Seigneur Mikanda va pêcher mais ce qu'on se déjà la police à Kangayo au sale déjà bêta moi si au sale aboyo teka diamba et aux allemands passer pour que bandi mayo aux a Mikanda mais à ce qu'il a moi si colo moi na obo mona ki lobby à ça américaine moi nango à ça pays américain déjà en 2016 de quoi aux a fait forfait na libo sauté à Mekaka déjà à l'époque à Kabila Kaba Brazzaville, Kaba Bilo Moko un peu flou. Donc cette fois-ci, ce qui s'est passé, bon, disons que nous allons entrer en profondeur, mais Awa, j'étais juste en train de circonscrire le cadre pour que nous comprenions. Ce n'est pas un étranger, c'était un fils de ce pays qui était frustré, bon, qui pensait que ça c'était une possibilité pour lui de régler la situation. Or, Bisso, Constitution et Boya, que au cause de ce pouvoir n'a beaucoup par la voie à violence il faut qu'il n'a ma pronomie toujours eu ma pronomie en décembre mon conseil Mbogo Azali ben institution ils ont s'installer progressivement et puis bon il est venu comme nous l'avons tous vu surpris j'étais vers 4h du matin quand on m'a appelé et j'étais non loin de là j'ai entendu les coups j'étais juste à côté. Et na sali live pour nako la kisama kamunyo so na oyo ezali ko leka déjà na Gombe mais bon disons que c'est quelque chose qui est très 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 important que nous devons bien analyser ce matin. Très bien, merci Toko Taramozido. Nous apprenons qu'Azalaki, président d'un parti politique, Azalaki, initiateur d'un mouvement New Zaïre, où Yazako promet à l'obus de Tolongo du Congo, donc si Zaïre changement de côté. Bon, nous allons essayer de comprendre. Prof Eddy Iyeni, vous êtes de nouvel élan, Moko ya Bayimboka, Mbote Pebwe Wola. Mbote Mingi Maman Naomi, Mbote Nabaito Kabarango Platoyo. Oyoka Kisango, Oesali Makilubi, tentative ya coup d'État étouffée par nos faillants soldats, nos FRDC. Mais la question qui se pose dans l'opinion, Batouana Bakoti, Ndeka, tu peux expliquer sa tentative à Liboso, tu as ça avec la 2016. Et ceux qui ont dit même, dire naïs sur les réseaux sociaux, c'est un coup bien préparé. Mais comment il est arrivé à Okota na Kinshasa et Kokomati n'a parlé de la nation? Oui, d'abord, premièrement, nous condamnons l'acte au forfait au condamné. En gros, si ça lui ramène à la commune, il y a un problème dans le service de la sécurité et renseignement singulièrement. Parce que, vous savez, il ne faut pas agir en aval, il faut agir en amont. C'est-à-dire, nous avons le service de renseignement extérieur et intérieur. Ce monsieur fait des vidéos, des lives, des vidéos, mais tellement que nous n'avons pas de service aguerri efficace qui opère sur terrain, ni au monde ni à Kotati, symboliquement. Et si qu'a commis, ils ont pour démontrer biso que nos services posent problème. Mais quand on le bana New Zaïre, eh bien le hobby lelo, gouvernance ya lelo na gouvernance ya Zaïre, c'est pratiquement la même chose. Parce que gouvernance ya Zaïre, c'est là qui caractérise notre biso benga kana patrimonialisation ya l'État, c'est-à-dire confusion entre ba bien ya bateau na ba bien à l'État. Il est là où il y a tout comme on appelle bateau tout ce qui est bateau, wapi mbongo ya l'État, wapi mbongo ya bateau. Il est là qui caractérise na népotisme.
L'autre, comment un népotisme, voilà, vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous comprendrez bien que ils allaient vraiment Makamoto Mona qui est la deuxième république. Ils allaient caractériser une injustice sociale. Nakanisi, les lots, comment dans le Lengenini, bah, politique, bah, pour rivaliser les goûts et enrichissement illicite, illégal, topé, bah, qu'au Kabola, nyonso, au Mboke, qu'au Bimisa, pour Nabango, au détriment de la population. Il a caractérisé la caporalisation et la justice. Donc, comment le logistique, comment les Kamboya, Motomoko, a régenté vite. Tant que je ne suis pas trop à la démocratie, on est une dictature. Non, nous sommes dans une démocratie des façades. Parce que la démocratie est à l'analyse à Kayango, le lengenini, parce que vous allez plus analyse moko ontologique, donc au tel lengenini, être nature. Il y a bien sûr tous les liens, vous avez renvoyé biso mosika et à dictature te. Dans le lengeto kotambola. Et puis, quoi de plus normal, au tel tant au monde quoi a sali kunaye na mabene yango mais côté à l'environnement dans lequel politique dans lequel nous vivons 5 mois après ces régimes n'arrivent pas à nous donner des institutions animateurs des institutions. Est-ce que ça justifie acte d'ailleurs voilà. Ça ne justifie pas. Et vous savez hein, c'est un acte politique, cela doit être analysé dans les contextes politiques hein, parce que l'environnement n'échappe pas à cela. J'ai dit une efficacité, l'inefficacité pourquoi? Il y a un service de renseignement et militaire. On pouvait bien doter des moyens à un service, mais ils sont bon auto détournés. Hein? Si on avait un gouvernement efficace, ce gouvernement imprimerait pratiquement une vision et cette vision sera appliquée aussi dans le domaine ouana, parce qu'il s'agit aussi de politique publique en matière sécuritaire. Hein? Donc les gouvernements sont impliqués. Lorsqu'on dit qu'il y a un vide, le vide c'est vide pourquoi? Parce qu'il y a 2 individus. Oh, bah, caprice, la mangue de ça, l'État soit bien institutionné. Or, nos lois sont impersonnelles. Nous, lorsque une personne, mais quand les caprices d'un individu est comme opprimé, est comme bloquer l'État, dis-moi, c'est là en danse. Vous savez, ailleurs, on ne peut pas opérer, on ne peut pas juste réussir un coup d'État pour l'année, mais parce que la vie est structurelle. Mais chez nous, la vie est conjoncturelle. Même la gestion est conjoncturelle. Nos règles et autres. On le dit à la démocratie. Mais on a connu des élections. Mais il y a des élections. Il y a des pouvoir dans une république, na élection. Hein? Kasibiso, Oyo Bandeko, Bazan, Aribazan, Léon, Bazan, Léon, Bokonzi. N'est-ce pas aussi un coup d'État constitutionnel? Bazan, Bokonzi, dans le Lengeni. Est-ce que Baponamaki? Non. Moi, je suis pratiquement dans une analyse profonde. N'a qu'on s'en va, parce que quand je pose la question à nature, à Bensession, nos nations sont pratiquement de nature, haute Bengaka, d'externalité. Hein? Tous ces régimes, tous ces animateurs ne sont là que pour favoriser la même mise étrangère. Il y a ce que nous produisons. Parce que ce sont des marionnettes au service de l'extérieur. Ça, c'est ce que les gens ignorent. S'il faut analyser ontologiquement nos institutions, vous allez vous rendre compte que nous n'avons que des marionnettes ici. Des gens qui travaillent pour les comptes de l'extérieur, pour l'industrie occidentale, pour des capitaux des étrangers. Donc, ce que je vous dis ici, parce qu'à mon avis, de quoi qu'on imaïma, Mboka Nabiso, cette question-là, il faut qu'on ramène Ango dans le cadre, dans le cadre général, Yamboka. Je condamne l'acte, mais je dis, le climat politique, en tout cas, n'est pas Eza Malamouté. Le leadership au Sunalikolo Yamboka pose énormément de problèmes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'institution. On a un gouvernement, on fait des élections de façade démocratique et la situation est gravement chaotique. Ça reflète pratiquement l'image de la deuxième république. Très bien, merci beaucoup. Madame Boka, te rappeler que vous êtes professeur des universités, Pemoko Yabayi, Lisanga, Nouvel Élan, il y a Adolphe Omuzito, maître Elie Béni, juriste de votre État. Bonjour et bienvenue. Merci, Maman Naomi, et bonjour aussi à la co-débatteur Namaï. Je crois qu'à l'entendre, ce que j'entends me donne des frissons. Parce que je sens là une très mauvaise analyse des choses qui se passent dans notre pays. Une compréhension, je dirais, très très malaisée de la part du professeur Yeni lorsqu'il compare ce qui se passe aujourd'hui dans Mamboleka qui est disons, dans la Deuxième République. Je sens que il y a un problème, parce que, vous savez, lorsqu'il y a, aux États-Unis en 91,
il y a une chute, il y a World Trade Center. Je crois que vous l'avez présenté comme professeur d'université. Il doit élever les débats et on doit aider ceux qui nous suivent. Oh, ben, c'est plus intelligent que nous tous ici réunis pour pas comprendre. Parce que il faut dire que les États-Unis ont des services de sécurité les plus performants que les gars. Oh, y a Bissau et Afrique qui se réunit et en particulier au Congo. Mais il y a eu infiltration, il y a Barab, World Trade Center Koyaki. Il dirait quoi de ça? Alors, il ne faut pas être dans un carcan, il y a haine, comme c'est le cas, il y a Bandeko. Je me souviens, son leader, Mozito, il a dit un jour qu'ils vont tout faire pour rendre ingouvernable les pays. Ils vont créer les sécurités pour que les investisseurs ne viennent pas. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette phase-là? Je me pose des questions à haute voix en tant qu'intellectuel. Et lorsque il dit que le pays est ingouvernable, Maramozo le Kaboé, je me dirais, je me retourne toujours du côté de son leader. Lorsque Mozito était au pouvoir, il y avait la guerre à l'Est et ne s'est jamais terminée. Mobutu et Mozito quittent le pouvoir, son fils, un chômeur, mon étudiant de surcroît, 7 millions de dollars de compte en banque. Un étudiant? Oui. Dans quelle université? Mais je te dis. Mais vous avez fait la guerre dans ce pays. Calme-toi. Tu as parlé, nous on n'a pas parlé. Si tu es professeur d'université, est-ce que tu t'es demandé sur les cursus des autres? Non. Il ne faut pas être complexé. Je vous ai toujours dit ça. Lorsqu'on est sur un plateau, ne te crois pas être le génie de tous. Ici, tu n'as pas le monopole de savoir. Il y a des gens bien plus intelligents peut-être que toi ici, sur ce plateau. Alors, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je pose la question. Mais je t'informe, cher ami et frère. Maître Eli Beni, c'est un visage connu. Tu fais un effort pour être aussi dans le plateau. Au fur et à mesure que tu passes, on se connaît. Je connais tous les autres. Tu vas dire que lui, il fait ses lives. Tolandaraye. Maman Naomi Asalara Tolandaraye. Toi et moi, on est dans des débats. Mais est-ce que tu connais tout de moi? Non. Donc, c'est pour te dire que ne sois jamais agité lorsque les autres parlent. Je te dis et je confirme ce que je te dis. Si tu as des doutes, va chez ton leader. Hein? Aujourd'hui, émission qui est autour de Libotanaï. J'ai aidé de ces enfants comme mes étudiants. Alors, ce n'est pas là le problème. Donc, avant Roloba, tout manuelera l'olémo plusieurs fois parce que il faut voir que quand tu parles de népotisme, ça a été caractérisé par le régime sur Oyo, leader noir travaillé. Parce que il a empêché l'IGF ici, qui fait des procès aujourd'hui, de travailler en prenant un arrêté, l'empêchant de faire le travail qu'il fait aujourd'hui, adulé et apprécié par tout le monde. Donc, avant Roloba, soyons d'abord patriotes, soyons d'abord des Congolais qui réfléchissent, pensons Congo. Il ne faut pas laisser que les autres viennent penser Congo à notre place. Mais, il ne faut pas laisser que les autres viennent écrire l'histoire du Congo à notre place. Maman a maître Libéni n'a relancé. Oui. L'homme de Colombie faiblesse, on a établi service et sécurité. C'est vrai que. Maman a crédité sur nos services. Mais comment ces gens vont s'introduire dans Kinshasa si on a parlé de la nation? Je crois que. Et l'eau renouveau, c'est Sami Ezali. Et l'eau renouveau, c'est Sami. Pas faiblesse quelque part? Tout Congolais consciencieux en condamne. S'ils se sont introduits chez nous avec armes à la main, ils ont visité la résidence d'une haute personnalité comme Vital Kamerhe, l'honorable. Ils se sont introduits au bureau du chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a des faiblesses. Ne cherche pas ce que Nazala sentimental pour l'impression que non, ça il faut tout comme ça. Non, il y a des faiblesses. Dans un système normal, je crois que le chef de l'État qui nous suit, prendra peut-être des décisions importantes dans les heures qui suivent pour sanctionner. Parce que la DGM doit nous dire comment est-ce que Bato va Kotaki dans Congo, Mandouk et Kotaki Bautengi dans Gouapi. Vous allez comprendre. Nous avons le service de sécurité de renseignement, nous avons la CNS, nous avons le CNS dans ANR, et puis tout ça dans le commissariat professeur et à Ville à Kinshasa, et puis tous ces services aux Ezali impliqués dans la sécurité à bas peuple et bien à Bango. Donc, maman, moi je ne serai jamais sentimental. C'est que nos amis pensent que en faisant ce qu'ils font, peuple va comprendre que Bango ne balingi Congo va sala. Oh non, erreur. Je crois qu'il se dit professeur. Le problème c'est que lorsqu'on dit, on parle de la politique étrangère, il est défini comme étant la façon dont un pays entrevoit ses relations avec l'extérieur. Alors bien moi bien non. Christian Malanga faisait des lives.
Nos services suivent, nous avons des renseignements externes et internes. Ils suivent. Mais pourquoi on n'a pas pu anticiper? Et pire encore, j'ai vu des vidéos ou des images où on nous montre ces Christians avec la délégation de ces Américains, au Bayenambo Canabiso, venus ici comme étant des investisseurs. Vous comprenez? Alors, la DGM, comme nos services, ils doivent arriver à nous dire, ils ont été invités par qui? Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, leur mission était au finish, il y a rien qu'à attaquer Mboka pour saboter le pays. Et lorsque, pour finir, peut-être, je crois que ce n'est que la présentation, ouais. Lorsqu'on parle de l'article 64, nos amis ont toujours conçu l'article 64 étant de l'opposition comme étant un article prévu pour l'opposition parce que c'est ceux qui prennent le pouvoir par la force et c'est tout ça. C'est une erreur. Vous comprenez? Et puis, et là, on se c'était. Parlons des pouvoirs et des élections. Moi, j'étais candidat député national. Hein, lors de ces élections du 20 décembre 2020, ici à Lukunga, massivement élu. Mais je ne suis pas à l'hémicycle. Donc, je ne sais pas si nos amis, les amis n'étaient pas candidats parce que Bango sort de mon j'ai déjà scellé dans ma musique, dans ma faillite ou autre. Donc, pour vous dire que tout le monde était aux urnes et a choisi Félix. Donc, si quelqu'un choisit aujourd'hui de venir s'attaquer aux institutions légalement établies parce qu'il serait frustré ou parce qu'il ne serait pas content de la façon dont la chose se gère. Mais la loi dit, l'article 70 de la Constitution de l'Ominine, c'est le mandat du chef de l'État, c'est 5 ans une fois renouvelable. Vous comprenez? Il dépasse sa salle 37 ans à lutte. Azo Mandou quitté, Azeliti, R. Amonique, en 2011. Papa Etienne Assali, à l'équipe Kabila a récupéré Bob. Et au coma Félix Aboundi a longué le lazan au pouvoir. Mais c'est les Congolais qui se sentent capables de renverser Félix. Parce que Mozito Azala qui est en élection, Fayoulou Azala est en élection, Katoumbi Azala est en élection, et tous ces Congolais, ils étaient là. Mais c'est Félix qui gagne à haut le main ces élections. Et c'est une raison de vouloir faire des messes noires au pays et en dehors du pays pour avoir renversé le pouvoir établi. Merci beaucoup, Mala Mboka. Ndeko Clément Mouzala Mouni, Ozo Koma et Bele, Oza Moto, Ndeko et opposition. Namoni Lobby, SID, Lobby Babati, la paix président Nabamon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes de l'SID, je vous ai déjà présenté. Lundi, situation sécuritaire dans le pays. D'ailleurs, sur Internet, on voit le président Fayoulou poster avec Christian Malama. Bon, bref, ça fait polémique et tout. Mais Lelo, où est-ce qu'il lobby? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Quelle leçon retenir? Merci beaucoup, maman. L'essentiel, les amis, la conclusion de la question. Parce que la question est tellement bien posée qu'il y a déjà une partie à réponse. Vous savez, Namoni Bandeko Ndenge Bazo Bela Makambango, apparemment, Bazo se comportait quand Ndenge gouvernement la Bango se comporta. Comment? Oui, avec beaucoup de légèreté. Oui, bien, mission à l'élo, Bate Bele Eroyo, Azarina Moussala et Rosala, Atikina Natala Yokananou. Qu'est-ce qui se passe réellement au pays? Oui, ils ont parmi Bachenoyo, Batouba Landara Penza. Et chacun de nous ici a une responsabilité. Oui, ils ont Katikiango pour Kayero Loba, Ayero sur la République. Non, ne venez pas avec le fanatisme ici. Et puis, boyate, parce que boya bobe tamasola vina binote. L'autre bobe tamasola vite. Tobe tamasola vite. En tout cas, nga coalition nga la mouka, mon parti politique décidé, a condamné à toute forme de violence. Et surtout qu'il y a eu mort. Combat obiso to bundaga, et combat pour des valeurs. Et ça combat oyo, il faut aimer mamboka. Pour consolider la démocratie pour que tout envisager le vrai développement de la République démocratique du Congo. Nous sommes lundi, nous avons suivi les petits rapports où Batobana Passerelle a pouvoir basaler sur les événements, où il y a les cas qui lobby, vrai ou faux, c'est la question que les Congolais ont posée. Mais tout le monde est vrai ou faux, il faut analyser. Pour te recommander on a vrai ou faux, ou bien Zaki scénario, parce que tout le monde a un théâtre de chez nous et belé. Donc, aux hommes, les balais mondiaux, ils ont joué, qui ont un PDG, en réalité, ils ont un PDG. Aux hommes, les Mindondo, ils ont joué, au Kansi, ils ont un Mnogobongo, mais à Sita, ils ont un Rani. Sauf que les théâtres étaient balais Makoufi. Donc, c'est la vie de la nation. Madame, Tikangaï, Nayebisalo, nous sommes lundi. Nous avons substitué dans le service de la sécurité.
Mais jusqu'où bateau IDPS va pouvoir humilier la République? Ils ont humiliation à la République. Ils ont vraiment quoi qui ça moque à son inadégré mon voyage au Sakanaté. Évidemment, tout quoi ils ont diversion. Mais tout quoi on a deuxième phase. Directeur général, il y a des jeunes. Il faut pas interpeller. Il se trouve aussi gâté beaucoup au Congo, tout le monde a une aventure à modèle. Jean-Pierre Bemba, ministre, il y a défense. Il faut pas interpeller. DG, administrateur délégué général, il y a ANER. Il faut pas interpeller. Le responsable de la sécurité à Ville à Kinshasa, il faut pas interpeller. Les conseillers en matière de sécurité, Yandego Félix, il faut m'interpeller. Il y a des hommes clés qui doivent vous dire à la République qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pour le moment, tous les soirs, ma déclaration ne sera pas trop comme étant des déclarations isolées. Madame, vous imaginez tentative, il y a coup d'État. Parce qu'à un moment donné, les gens pensent que nous nous battons pour les gens. Non, nous nous battons pour la République. Mais ces gens-là ont pris le pouvoir. Bah, occupé en deux, trois, peu importe le temps, les bureaux, il y a M. Félix. Est-ce que Batoiseau sentir humiliation au Bissoba Congolais Baza? Mais j'ai temps, au salle live. Est-ce que Batoiseau imaginait humiliation au Congolais? Yo, les cana makolo, pembe, ni kakawan, ozo, les cana yo. Aux attentes à ma cantimoro, toujours les cacaravanes. Est-ce que mon comportement est bon amour? Mais on voit des gens, bah, qui n'ont pas Vital Kamere, bah, qui n'ont pas Vital Kamere, bah, qui n'ont pas Bango, n'a pas le présidentiel, tout le monde, Bongo, bah, qui n'ont pas le Bango, bah, se retrouver dans la carte. Et après-midi, Vital Kamere a l'air de costume, à quel concert? C'est là que nous avons suivi. À quel concert? Nous avons suivi ça par voie des médias, vrai ou faux, tout. Et on accepte que, dans une capitale, où il y a une tentative, il y a coup d'État et salami, on accepte que, va bah, organiser un grand concert. Tout ça va bah, créer sous son. On a suivi, Motomoro, il y a vu la Kinshasa, le concert est annulé. On vient, les services du ministère intérieur, bah, il y a habité le concert est allé. Même le ministère intérieur, voilà. Il doit les lobes à bateau pour bouger. Madame, on se bat pour ce pays. Pourquoi pas qu'on y a ce sonnet inadéquat? Pourquoi? Je suis ici, Bande Bonabiso, bah, lobby. Que ces messieurs-là, Aza Moutou, Aza, connu de service de sécurité, ya Congo. Connu. T'as la légèreté. T'as la légèreté. Il ne suffit pas de nous balancer les images. T'as la bâton, tu kangi bango, t'as la bâton, tu sais. Non. La République veut voir clair. Qu'est-ce qu'on a voulu faire pour la République? Bah, tu te bêtes à la Congo libéré, Zaïre libéré. Lélo, est-ce que vous voyez tous les problèmes au Mouzé, à la Mboka, à la place de Komi? Ça dit qu'à un moment donné, sur la chance, il y a comme on a des diaspora, des maîtres avocats, des professeurs, mais prenez. Fait et cause de la République. Tant que vous dites que la République est en danger, vous dites que c'est qui? C'est qui? Bon, quand tu as la Likambouya, tu as la Lami, tu as la Lami, tu as la Sony, attends que Moko et Moutoua Bundaka. Les faits, tu as la Lami, tu as la Lami, ne vous amusez pas avec le peuple. Moi j'ai des photos avec Félix. C'est elle qui te parle. Non, il n'y a pas de problème. C'est elle qui a non, dit non, ça. Non, non, Moko Bona Lami, tu as la Lami. Moi, j'ai des photos avec Félix. C'est pas possible. Parce que j'ai combattu avec lui et je connais le sens du combat que nous avons mené ensemble. J'ai des photos avec lui, j'ai des photos avec Batou Bélé, Bazarawa. Ici, ils ont ma camboie photo. Vous comprendrez que nous, comme intellectuels, Batou Bazou Kabaye, Batina Niveau Nitozo, analyser la situation avant même que ce soit les personnes attitrées au l'État Futarabango pour que Bassala Moussala Nabango. Mais parce que vous avez reconnu qu'il y a des failles. Nous devons tirer des conséquences. Nous devons tirer des conséquences. Les lots, Makambo et Yéza, ils ont une frustration. Incontestablement. Makambo et Yéza ont une
la cohésion nationale les a mis en péril. Que faire? Aller au dialogue, fermer ma frontière. Voilà, madame. Que faire? Tout ça, on a 5 problèmes de la République. Rapidement. Oh, il faut tout résoudre rapidement. Tout ça, on a 5 problèmes. Moi, je suis un éternel étudiant. J'ai des professeurs, j'ai tout. J'apprends. Attends, on a une mission. Bande quoi diaspora peut bailler. Au bangonde bato baya minya au bako misi Félix na niveau a komi. Bande quoi diaspora. Bah ma baby cité n'habite. Bako misi na niveau a komi. Ça dit que soit Félix a sali ma gamba malamu. Bata diaspora bazana 80%. Soit a sali ma gamba ma b. Bato a diaspora bazana 80% ya ma gamba ma b a sali. Mais parce que ma congolais va tirer déjà conclusion là bas. Avant même bazo rapport. Va tirer déjà conclusion que Félix a géré mboka ma b. C'est-à-dire que déjà merci beaucoup. Non, mais c'est quand on appelle ça le 5 problème au Tozana. Dans 30 secondes, on peut s'en débrouiller. Le premier problème au Tozana, ce Félix a fait le gouvernement, c'est l'état des droits. Il a échoué avec l'état des droits. Le deuxième problème au Tozana, c'est la cohésion nationale. Il a échoué avec la cohésion nationale. Dieu merci que Mobutu nous a laissé l'unité nationale et qu'il faut que les Congolais soient très, 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 très jaloux. Troisièmement, c'est l'intégrité territoriale. Vous voyez à quel niveau le pays aujourd'hui, un pays qui est agressé d'abord, où il y a parti, il y a une république, il y a une sous-occupation, tout le monde a l'aventure au théâtre de chez nous. Tout le monde a été service à sécurité, ça pas soi, tout le monde. Et quand on a un militant, il y a résistance, il y a opposition, ainsi de suite. Même quand on a un bon moment, quatrième problème, c'est la gouvernance intègre. Est-ce que beaucoup de bateaux n'ont pas serré le pouvoir? Parce que j'irai bien. Et en dernier lieu, c'est la question des élections. Je suis content à quand on a eu deux pèses. Alors, que ces élections, c'est la maquille. Si vous avez Félix, ça va être ça. Ton loba est tellement mingi que mon kilé dit que l'élection est dans qui mouille bien 7 jours. Et que conséquence, ils ont on appelle les lots. Mais, au Yobiso Dozanango, c'est la solution. Voilà la solution qu'on a proposée. N'a étape au comme il y a 20 ans qu'on a en une minute. Non, merci beaucoup, Ndeko Clément Moussa. Mon amboka, Jean Moubenga, tout son solo maloba, pour Zandeko. Nabiso Congolais, mon vendi Libanda. Tout le monde est parmi bateau Bakangi, bateau Baza capturé, 3 sujets américains. Est-ce que tu crois qu'on conclure qu'il est? Christian Moubenga, de Konabiso, Poisa Patriote, Poisa Congolais, Malanga, plutôt, Azala qui n'a soutien à pays étranger. L'Occident et l'Afrique, puisque avec plus quelques 30 personnes, quelqu'un ne peut pas s'aventurer au quota, si la capitale, soi-disant, il y a pouvoir. Moutou n'a mis balé, de Jean Moubenga. Batoubaye, c'est la coup d'État, s'est retrouvé dans la caméra. Est-ce que Kamera Zalaki, principale cible dans la banque, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment est-ce que Tomoni, plus de résistance, n'a pas Kamera aux deux policiers, Bakoufi, sincère condoléance, que n'a parlé de la nation, où ils ont symbole à pouvoir. C'est vrai qu'ils ont bureau, il y a Tata Mokameko, mais ils ont symbole à pouvoir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En tout cas, merci beaucoup pour la Bandeko Tuzana Bango. Je sens que tout le monde a le même souci. Mbokanabiso, c'est ça le dénominateur commun. Nous aimons le Congo, mais nous devons aimer le Congo du bon côté. Il ne faut pas montrer ma frustration comme mon frère, le professeur s'agite, même quand tout le monde sait que ce qui s'est passé là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit encourager. Hier, tous nous avons été surpris de voir directement dans les lives ce monsieur-là en train de crier « New Zaïre, Nouveau Zaïre, Nouveau Zaïre ». Et pendant la caméra, j'aimerais vraiment me retenir. Il y a beaucoup de choses. Ça, ce n'est pas un sujet simple. C'est un sujet qui touche à la sensibilité de la sûreté nationale. La sécurité du pays est en péril. Vous savez que nous sommes un pays qui est beaucoup convoité et les complots se font tous les jours ici. Nous avons même invité la SADC. Nous avons pensé qu'il pouvait nous aider. Vous voyez comment les choses tournent en rond. Yahi et à ceux qui est venu, ils nous ont fait ces jeux-là. Ils viennent avec de bonnes intentions. Après, vous voyez, ils reçoivent les instructions, ils se retirent.
L'Angola à côté ici avait promis d'envoyer les militaires. Jusqu'à aujourd'hui, aucun militaire n'est venu. Le Congo-Brazzaville, en face, vous voyez comment ils font les deals avec le Rwanda. Nous sommes en face d'une situation réelle au niveau international. À l'interne, nous ne devons pas être divisés comme ça. Okay. Les gens regardent leurs intérêts mesquins, tout ça. Ils sont allés aux élections, bah, poli, bah, zone du matin. Il y a des choses à comprendre. Ici, tout ça, il y a un bureau de vote, il y a un Gombe. Vous voyez vous-même comment les gens étaient mobilisés, bah, votés. Bah, observateurs internationaux, ils étaient à Pullman. Non, les élections, l'équipe bien, Colette Brackman, n'a pas mounion, s'ils vivent sur Jupiter ou sur Mars, nous avons bâti campagne, nous avons pas tous les jours, tout ça, le débat, nous avons quoi opposition. Raconter des choses comme ça, c'est comme si nous n'étions pas là et ils étaient à la CENI, ils ont vu comment la corruption, ils ont vu comment la tricherie, ils ont vu comment les choses ne se sont pas bien passées. La SADC, même les gens de l'Union africaine, entre les deux pattes, ils ont été humiliés, ils ont vu d'abord la démonstration dans la diaspora. Plus de 80% des Congolais sont allés voter. Les élections se sont dessinées déjà à Libanda. Awa Batonyo Soaibi que Félix n'avait pas de concurrent. Katumbi était chef Naé, Martin Fayoul, a récolté, je ne sais pas, moins de 5%. Bazana parti Nini, ils se sont installés où? Un parti communal ici, ceux qui n'ont Kalam, ceux qui n'ont partout au Congo, Bayebanite. Ils vont gagner comment? L'ancrage politique, ça joue. Ils ont quel capital politique pour qu'ils aient gagné l'élection? Ils dépensent ces machines partout au Congo. Bazali, la population a renouvelé. Qu'on n'entre pas dans ce débat-là. Tu es déjà là-dedans. Ah oui, je suis dans ce débat et j'aime même qu'on puisse débattre sur ça. La République doit être sévère. Oh, bien sûr, nous sommes là. Donc, sur ce dossier, il y a une... Sur ce dossier, il y a... comme ma machine de vote n'a pas beaucoup abattu. Au son mona élection, ils allaient parfait au monde. Et salaman, oh, na mokilio élection. Tiba Al Gore, nous sommes habitués au mona na États-Unis. Après, c'est ce qui se passe. Oh, il a gagné. Oh, il ne va proclamer. Joe Biden. Maintenant là, ce qui se passe aux États-Unis. Tous les jours ici, il y a des irrégularités par-ci par-là. Les élections ne peuvent pas, à moins que les anges descendent. Ils supervisent eux-mêmes tout. Ils regardent. Naomi a voté qui? Ah, il a voté tel. Monsieur Jean-Claude a voté. Oui, et puis, bah, c'est son résultat. Si ce sont les humains avec nos égos, nos émotions, nos relations et tout ce que vous voulez là, ça ne sera jamais à 100% comme vous voulez. S'il y a quelqu'un qui veut avoir les élections à 100% bien organisées, c'est un menteur. Même dans les pays qui ont inventé la démocratie. Ils n'ont jamais atteint ce niveau-là. Donc, ce débat, c'est un débat vraiment de basse classe. Donc, on ne peut pas entrer là-dedans. Les élections se sont passées. Dans l'ensemble, nous avons eu des résultats. Il y a Maître qui était candidat, qui a vu comment les choses se sont passées. Bon, on s'est dit, pour l'amour du Congo, on avance. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, c'est le reflet de notre propre volonté. Nous avons voulu cette constitution-là. Bon, moi, je n'ai jamais voulu ça. C'est les gens qui étaient partis à Sand City qui avaient voulu que ce soit comme ça. Et nous avons cette constitution que nous voulons amender bientôt là. Donc, hein? Maman, oh, respirez pas. Hein? Non, constitution, il faut tout n'ingisango. C'est ma cambo à sécurité en Boka. Donc, il faut aujourd'hui qu'on interpelle les gens. C'est comme si ceux qui sont en train de gérer le pays là sont distraits, ils n'ont rien fait. Parce qu'il est de l'opposition, il faut qu'il donne des leçons aux gens. Maman, vous n'avez jamais géré jusqu'au jour où on va vous mettre à ce poste là
pour savoir la réalité de ces postes. Il ne faut pas parler certaines choses par sentiment, par émotion, pour que ceux qui nous regardent disent « Oh voilà, et en tout cas, yo, le bas qui bien vraiment, yo, Zala qui vraiment à la hauteur de, du débat. » Et ça, en côté, le ministère de l'Intérieur a donné l'ordre que le concert soit annulé. Après, ils ont évalué les degrés du risque. Attends, ok, de 15h à 19h, ça va. S'il y a couvre-feu, s'il y a ceci, on peut le faire peut-être plus tard, mais la population sera déjà pas. Ils ont eux-mêmes évalué. Ils ont donné l'ordre que le concert puisse avoir lieu. Je ne vois pas un problème là-bas. Et le concert s'est passé très bien. Pour les histoires du monde, tout ça, les gens sont prêts à mettre, à l'être émoussé là-bas. Mais quand c'est Dieu, on cherche à montrer comment on est plus congolais que tout le monde. Nous tous sommes congolais. Très bien, merci. Je ne vois pas comment on a maîtrisé les gens qui ont fait les coups d'État et les services étaient déployés à travers la ville pour s'assurer qu'il n'y ait pas encore d'autres poches de quelques individus qui se cachent à gauche, à droite. Mais dans l'entretemps, on a renforcé la sécurité au stade pour que cette manifestation, parce que les gens étaient déjà dans les stades. Quand la décision là tombe vers 14h, bah, tu attends déjà dans le stade. Bon, maintenant, vous voulez créer une nouvelle tension, bah, tu vois, ok, bah, annuler, bah, bandako, beta nakuna, bah, ça, le désordre kuna dans le stade, vous voulez quoi exactement? Est-ce qu'on ne peut pas augmenter les niveaux de la sécurité? On a envoyé d'autres policiers pour que bah, encadrer la population, bah, tu n'as pas besoin d'un pour la kimia. Il ne faut pas chercher les états d'âme ici, oh non, les matins, les coups d'État, les soirs, les concerts, comme si... Si on prend deux, trois exemples dans d'autres pays, on met ici, ah, Bino Bozaka Boué, Boyakana, par exemple. Il vient de vous dire ici que les pays les plus sécurisés, qui ont des drones, qui ont tous les systèmes de défense de la sécurité, à Beta, na journée Moko, trois endroits, on a pris le contrôle de trois avions qui ont frapper les deux tours jumelles qui ont allé frapper la Pennsylvanie et puis ailleurs. Kaka Awa, vous demandez comment ces gens-là sont arrivés à palais de la nation. Ce sont des failles que nous avons tous vu que non, 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 ça c'est moi, si vous allez dans mes lives, j'ai condamné toute la journée d'hier. Okay. Ça ne veut pas dire que ce matin, si j'ai changé, parce que dans le débat, on a changé. Non, c'était bon. Il y a eu la corruption, on a corrompu les militaires, on est en train de... Non, nous tous, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Les enquêtes sont en cours. Qu'on se réserve un peu de faire trop de populisme ici. Parce que ça risque de ne pas être bon pour la suite de ce que nous voulons avoir comme outcome. La question sur implication, Mboka Mosusu, vous n'avez pas répondu. Vous pensez que vous avez connu que c'est possible que ça soit soutenu, Mboka? On a tué le meneur, Christian Malanga. Son téléphone est déjà saisi. Okay. Il y a déjà des noms. On a vu ses contacts dans la dernière semaine avec qui il était. Il y a plein de gens. Ici, je ne peux pas dire pour risque que tu vas trouver un fleuve, un nager pour aucun dégât. Donc, nous connaissons déjà un peu la caricature de ce qui s'est passé. Mais nous n'avons pas les pouvoirs, nous ne sommes pas attitrés, je n'ai aucune fonction dans le pays pour parler de choses comme ça. Il faut que les services eux-mêmes, qui ont tout entre leurs mains, puissent nous dire. Dire les États-Unis ou bien d'autres pays étaient derrière. On a vu les frères en Italie, avec beaucoup de délégations de plusieurs pays. Vous avez vu cette vidéo-là? Oui. Ça peut être que hein, c'est l'araignée. Il y a beaucoup de ramifications. Cette toile-là, où tout le monde qui a les intérêts ou qui veut contrôler ce pays, parce qu'ils ont déclenché ça quand ils ont fait partir Mobutu. Ils ont dit, ah, maintenant que notre partenaire est parti, nous prenons le contrôle du sol et du sous-sol congolais. On a créé Paul Kagame et tout ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Mais comme nous avons beaucoup résisté, et le président de la République leur a dit dernièrement qu'il est ouvert à d'autres partenariats, la Chine, la Russie et tout ça. Alors ces gens-là ne peuvent pas rester calmes. Ils peuvent lui faire des chantages, cette histoire-là, pour dire « Ah, tu veux nous quitter,
nous allons te prouver. Cette histoire-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de mains noires. Si Malanga n'a pas atteint son objectif, peut-être qu'à un certain niveau, un élément de puzzle a manqué. Ce qui pouvait peut-être venir l'atteindre à tel moment. Quand nous allons tirer là-bas, si vous voyez les lives, passez là-bas, faites ceci. Peut-être que c'est arrivé en retard. Quand ils ont vu que ça n'a pas fonctionné, ils voulaient s'échapper. Peut-être là-bas aussi, ils étaient déjà encerclés. Donc, l'opération échoue. On ne sait pas. Il y a un mystère autour de ça. Il faut être aux aguets, il faut prendre au sérieux la menace. Très au sérieux. Maintenant, là, l'alerte doit aller dans les rouges. Parce que les catholiques, Chollet, nous a dit qu'il manque un homme courageux pour mettre en musique cette histoire. Oui, oui. Quand on regarde, on voit les photos avec les mêmes gars qui étaient ici. Son chef était avec les mêmes gars. Quand ils sont à l'extérieur, là-bas, ils sont contents, ils se retrouvent. Bon, ils les chotent un peu. Ils étaient tous en train d'attendre. Que, ah, des petits yaka bétabor. Comme ça, ils sont récupérés. Bon, on ne sait pas. Nous ne pouvons pas dire qu'ils étaient complices ou pas, mais on les a vus quand même dans les photos. Lui a dit qu'il a aussi des photos avec Félix. Donc, nous tous, nous avons des photos avec des gens, mais cette histoire, c'est comme j'ai dit, c'est une toile d'araignée. Il y a beaucoup de ramifications. Merci beaucoup. Je n'ai rien dit. Ça, c'est pas une émission, ça. Ah oui, oui. Quand on sort la live, d'ailleurs. Ah oui, oui. Merci beaucoup. C'est pas comme ça que ça s'est traité. Oui, j'ai compris. Diaspora. Oh non. Tu te présentes. Monsieur, je suis congolais. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas congolais. Quand quelqu'un vit à l'extérieur, je n'ai pas dit que vous êtes diaspora, non. Voilà. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas congolais. Voilà. Maître Clément. Aigri, hein, parce que vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Toko ba, s'il vous plaît. Respect aux téléspectateurs. Nous sommes en direct, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas à l'aise. Jean Moubenga. Ouais. Situation est Koutibiso, tu sais que déjà la situation est sous la mboka. Situation est Zanini, où tu as tata Mokambeko, la prêta serment, 5 mois en haut, tu as dit que l'institution est vendue dans l'hôtel. Bureau définitif et Assemblée nationale, élection Zalaki prévue pour le 18 mai dernier, il y a un Zalaki reporté suite, il y a manque, il y a consensus, il y a un taliba candidat au Essengelaki base dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Tata Mokambeko, la Bengi Sibango, Bandekwanyon sacré, à Soli na Bango, Zongi Sibango, du Sous-Nama pour parler. Est-ce que pour parler, on est que vous soutien au thé? Tout le monde est bon, Sangani, Samedi Moleki, Soli, les Soussous. Est-ce que nous sommes bloqués ou pris en otage par l'Union sacrée de la nation? Prof. Edi Iyene, cette situation, est-ce que Tata Mokambeko, il fallait s'imposer carrément pour que toi avances? Vous savez, nous parlons république. À un certain moment, je vis mon frère dire des bails à basse classe. Et lorsqu'il parle, vous sentez que le discours, hein, le discours ne reflète pas l'image de l'endroit où nous sommes. Parce que lorsque vous avez un sujet, il faut toujours dénicher le variable indépendante. Et puis, ça, il y a qui soit vraiment stratégique, qui puisse aider la nation. Bon, on prend un peu le débat en RDC. Tous ces débats-là où il y a fanatisme, peut-être on comprend. Alors voilà, lorsque Bill Kambo où il y a mise en place à l'institution, moi je dis, il y a un problème avec le leadership hein, dans ce pays. Parce qu'à un certain moment, nous confondons Obisobengaka, la démocratie hein, d'élection, la démocratie d'action. On peut soi-disant gagner les élections, mais peut-être l'action est fonction des aptitudes hein, d'un chef individuel, personnel, tout ça. Parce que Platon, Aristote, Socrate, pratiquement, on dit que la démocratie serait hein, un régime tellement parfait qu'impossible aux humains. Un certain nombre, Socrate en a même payé le prix. Mais lorsque vous analysez que c'est pas en RDC, 5 mois après, on les place sur des règles qui sont impersonnelles et ça l'était strictirante.
tous les animateurs, ils sont juste deux sumaires de gens. Il y a pratiquement, le pays est pris en étau. Na moi groupuscule Mokoyabato. Hein, qui tiennent, voilà pourquoi je disais, il y a plus de ressemblances entre la deuxième république et ce qui s'est vu aujourd'hui. Parce qu'on avait. C'était la dictature, bon, figureusement, je ne suis pas juriste. Je suis des sciences sociales. Hein? Pour moi, juste lorsque j'analyse un fait, je m'inscris d'abord dans sa dimension ontologique. Et puis, juste, moi, c'est la nature des institutions et des animateurs que je suis là, je suis en train d'analyser. Non, c'est parce que la loi dit. Mais il faut interpréter la loi. Il faut dire ce que la loi n'a pas pu aussi juste tenir parce que les faits précèdent les droits. Lorsque la vie politique est régentée par un individu, vous dites quoi? Lorsque la justice, le parlement, les gouvernements traitent d'une certaine façon, vous allez dire quoi? Lorsqu'une oligarchie prend en otage l'État, vous me dites quoi? Ça, c'est une démocratie? Bon, peut-être à moins que l'on soit dans une analyse de l'arrêt, comme l'a dit mon frère, pour accepter de telles inepties. Voilà. Donc, moi, je dis, en tout cas, il y a de fortes ressemblances. Aujourd'hui, la vie devient de plus en plus intenable. On ne sait pas, nana vous en a parlé, mal, après c'est liste, lobbyiste, liste, on les appelle, c'est du népotisme, c'est du népotisme. Mais où t'as qu'il y a réunion, il y a balidaire, mais c'est du népotisme. Et après, Bozonga, Bozongisa. Donc, la République est gérée, c'est pas ça, c'est l'amateurisme au sommet de l'État. Tout simplement ça. Vous avez un premier ministre ou une première ministre de Tchéouana. Pour la côté gouvernement, on doit attendre des mois et des mois. Pendant que vous nous avez dit, on a eu un quoi, les formateurs, non, l'informateur a tout fait pour que Tokene Moussa Ntorozwa lui reprend encore, elle reprend encore juste la mission de l'information. Mais on s'est dit, on est où là? On est dans une rue bananière ou on est où? Pratiquement, l'État pour nous, voilà pourquoi je suis le Balkan, il y a une cultération. L'État, c'est encore un phénomène que nous n'arrivons pas à bien maîtriser. Parce que c'est un État que l'on a importé de l'Occident. Donc peut-être nous ignorons un peu les règles, même l'esprit. Mais l'esprit, parce que la gestion avec ces régimes est vraiment chaotique. C'est tout le plan. Nous avons le gouvernement, ils allaient pour quoi? Pour la Koubongisa, Libye qui a bateau. Mais les lots sont aussi des services même sociaux de base. La sécurité dont nous parlons, les gens vivent dans la sécurité la plus criante. Aujourd'hui, la police, n'en parlons pas. Partout, vous passez à Kinshasa, c'est de l'insécurité. Prof, n'exagère pas, prof. Papa, je dis, moi, je viens de Kumba. Je viens de Kumbatia, s'il vous plaît. Prof. Nous vivons Kuluna. Nous vivons dans des conditions où chez nous, on ne peut pas sortir la nuit. Même ici à Gombe, oui, prof, je sais que, oui, les policiers constituent le même problème. N'exagérez pas. Ne sont pas équipés. Comme si les policiers ne sont pas équipés. Ça, mais nous, combien toucherons aujourd'hui juste notre fonctionnaire? L'insécurité. Notre fonctionnaire. Les fonctionnaires touchent combien? Dans une république où on vous dit, t'es député à Kundakabato, $33,000, topé sa policier moins de $100. Vous voulez quoi? Mais c'est de l'inégalité sociale. On ne peut pas parler de la démocratie là où il y a une inégalité sociale. Vous connaissez le salaire d'un policier français? Papa. Et le salaire d'un député français? Les deux français touchent combien? Non, je vous pose la question. Mais ils te touchent 11 000 euros? Professeur d'université. 11 000 euros? Vous devrez parler, avec des références comme ça. Ces éléments-là nous aident à comprendre que chez nous, nous sommes les démons. Là-bas, ils sont bons. Non, donnez-nous le chiffre. Le Premier ministre français touche 19 000 euros. Le président français. Non, je peux répondre à la question que vous avez posée. J'ai posé une question. Vous allez faire la diversion comment? Mais vous dites juste les députés français. Vous avez pris un policier d'ici et un député d'ici. Comparé au comment tu es au Gabon tu es monsieur Zayayo papa tu ne fais pas la yayo tu vas nous poser question à poser yo yo poser question c'est ça la déontologie c'est ça là solo là tout ça là exact tout monde là les tout monde là tout le monde qu'on a kimia pour nous nous agiter de quoi ça voilà je ne sais pas ce que vous appelez la calme c'est la calme je ne sais pas ce que vous appelez soyez calme j'ai posé une question c'est une émission ratée c'est une émission ratée faute d'argument c'est une émission ratée vous avez je suis dessus mais bon écoutez
des comparaisons qui font que chez nous, nous sommes mauvais. Là-bas, c'est bon, oui. Bien évidemment. Donnez-moi des chiffres. Le Premier ministre français touche 19 000 euros. Le président français touche 14 500 euros. Le député français touche 11 700. Vous croyez que je n'ai pas de données. Vous avez dit combien? Ok, je ne vais pas revenir là-dedans. Papa, le pays est mal gouverné. Et les policiers? Papa, je ne suis pas là. Vous ne posez pas des questions. Ayez des arguments, analysons le fait. Parce que le prochain, c'est quoi? Avec cette diaspora qui n'est pas allée apprendre, cette diaspora qui est allée faire ces histoires, qui revient ici au pays pour nous détruire. Parce que les autres, ils vont pour apprendre et apporter pratiquement leur expertise, leur expérience. Mais chez nous, malheureusement, nous avons une diaspora à problème. Les gens qui n'ont pas étudié, qui vont là-bas faire les secoulaires qui reviennent ici pour tuer le pays. Ah, vous dites que nous n'avons pas étudié. J'ai dit la diaspora. Je ne m'adresse pas à vous. J'ai dit la diaspora, en fait, les célibataires, c'est des secoulaires, messieurs. Pourquoi vous parlez de la diaspora ici? C'est parce que je suis sur le plateau. S'il vous plaît. C'est pas tout le monde qui n'a pas étudié. La même chose. J'ai dit la diaspora. Je parle de la diaspora. Généralement, la diaspora congolaise pose problème. Peut-être vous n'avez pas vu la diaspora qui a étudié. J'ai dit généralement. Est-ce que vous avez vu hier? C'est le français. Vous avez vu hier? Le président. Le président américain était en train de faire le discours. S'il vous plaît. À la cérémonie de graduation à une université. Alors, il y a un étudiant congolais qui était juste derrière. Il a soulevé le drapeau. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Les gens étudient. Les gens étudient. Ndeko, s'il vous plaît, merci beaucoup, Ndeko. Je vous s'il vous plaît, je vous remercie. Parce que le lobby est mon corps, il fallait pas. Ndeko Mubenga, vous n'avez pas la parole. Merci beaucoup, Ndeko. Eli, Tozongela, sur cette question. Tata Mukambeko, lors il y a réunion à lobby à dissoudre le Parlement, ceux qui solution les invités. Qu'est-ce dit la loi par rapport à ces sujets et pourquoi avoir menacé au lieu de s'imposer carrément pour une autorité, même morale, il y a au État, l'Union sacrée. Mais les garants du bon fonctionnement des institutions, maman Naomi. C'est-à-dire, lorsque quelque chose ne marche pas, il a le droit de dissoudre le Parlement. C'est un droit constitutionnel reconnu. Qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? Pardon? Seigneur. Qu'est-ce que dit la loi? Écoutez, les élections ont eu lieu. On a mis en place un bureau provisoire. Le bureau provisoire a une mission qui est bien déterminée par Pesaki. Alors, après cette mission, et Sengeli maintenant, vote ça m'a pour un bureau définitif. Mais il s'avère que je suis en ambition. Ego, il y a certaines personnalités, quand il y a la société, il y a l'Union sacrée, pose problème. Et il est tout à fait normal, le chef de l'État, en tant que numéro un, il y a l'Union sacrée, et à rappeler tout le monde à l'ordre, et à menacer par moi que je serais même capable de dissoudre le Parlement, parce que. Monsieur Tine menace. Sur quelle base ça, c'est un juriste qui dit ça. Écoutez, c'est un juriste qui dit ça. Professeur, vous avez pris la parole. Votre esprit est vraiment moutonnier. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ah bon? C'est un juriste qui dit ça. Un juriste qui dit ça. S'il vous plaît. Mais attends, continuez d'abord. Tu vas me dire le contraire parce que je on vous dira le contraire. On vous dira le contraire. Écoutez. Et moi, je crois que vous avez bien posé. Écoutez. Moi, je suis pas n'importe quel juriste. Je suis parmi les juristes respectés dans ce pays. Ça, je le dis, je pèse mes mots. Je suis pas un juriste sorti de derrière la maison. Parce que je vais te démontrer, j'ai été avec lui, avec Moussa sur ce plateau, il ne pèse pas, il n'est pas à la hauteur. Non. Écoutez, respectons-nous, on se connaît. Mais écoutez, monsieur, j'ai dit respectons. Vous avez un argument qui ne tient pas debout, qui est moi. Tu as pris parole, Écoutez, hier, il avait la parole tout à l'heure, il nous a amené dans le monde de sociologie et on n'a rien compris. Et voilà, il veut nous donner la leçon pour des choses que lui-même ne maîtrise pas. Ah bon? Donc, maître, si le chef de l'État peut dissoudre le Parlement pour une paix, même quand ça fera tout. Vous ne savez pas que le chef de l'État a les moyens. Il perd la majorité de dissoudre le Parlement. Il y a des conditions. Ça ne fait pas comme ça, monsieur. S'il vous plaît. Il y a des comptes à rappeler, des critères à rappeler. Mais justement, là où tu ne comprends pas, c'est qu'on n'a pas mis de côté ces conditions-là. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Donc, parce que tu m'as pas fini, tu m'as pas laissé finir mon propos. Monsieur, écoutez, ne donne pas l'impression de connaître plus qu'un juriste que je suis pendant que tu ne maîtrises rien dans ce domaine. Si tu nous parles de conditions, sache-le que les conditions peuvent être mises sur la table. Ah bon? Mais oui.
Est-ce que moi je t'ai dit que... Écoutez Yeni, je ne t'ai pas dit que le chef de l'État ne peut pas aller jusqu'à voir les conditions. Alors dites-moi, de quoi tu parles? Vous voulez faire croire à ceux qui nous suivent que Oyebi... Non, mais pendant qu'on soit maîtrisé le voté. Ça ne va pas. Ah bon? Mais justement, tu avais la question. Tu avais la question. Écoutez, écoutez. Prof Yeni, Ozaki n'a pas le temps de Congolais ou Hollande. Mais c'est... Je répète, je répète. Et ça, la bateau, l'équipe Sognon se réunit dans Maïe et Hollande. Mais ne donne pas l'impression de vouloir enseigner dans un auditoire où toi-même tu ne maîtrises rien. Parce que tu as trahi la parole ici. Attendez. Tu as... Non, s'il te plaît, permettez-moi. 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 S'il vous plaît. Non, non, tu ne fais pas mieux que moi. Maître Elie, s'il vous plaît. Ma condition n'est pas réunie pour que je ne s'ouvre le Parlement. Donc, attends mon camarade. Lorsqu'il y a conflit entre la présidence et le Parlement, ceux qui ont eu les alités, on peut dissoudre. C'est une des conditions. Qu'ils me disent, qu'ils me contredisent par rapport à ça. Ne faut pas vouloir ici nous faire voir que non, quoi, toi, tu... non, écoutez, écoutez, c'est Yeni. Ça fait depuis que les élections ont eu lieu, ça fait déjà près de 6 mois. C'est plus le gouvernement et le Parlement. 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 Tout comprendre. Tout comprendre, Ndeko. Mais papa, l'interprétation des lois, tu ne le fais pas mieux que moi. Ah bon? Qui te dit ça? Oui, oui, oui. Je te l'ai dit. Ah bon? Mais j'ai été formé quant à ça. Mais toi, tu vas venir faire la préprise, mais pas moi. Mais ça, vous faites là, c'est non, vraiment... Non, non, non. Ce n'est même pas la peine. Parce que toi, tu veux faire croire aux gens qu'il y a des conditions. C'est ça que tu veux anticiper sur... Donc, c'est le Parlement, le conflit, ça, c'est le conflit. Si vous dans un régime... Ndeko, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Oh là là, vous n'avez pas la parole. Merci beaucoup. Madame... Protégez-moi. Koba, je vous protège. Nalobi Boy. Ah, les intellectuels congolais. Maman Naomi, Congo, ils ont un problème sérieux. C'est pas possible. Herbisoto, attend, il y a Keno Touya dans le plateau. Un mot d'abord, notre pays. Parce que les gens, nos amis qui sont soi-disant en train d'apprendre l'opposition, ils ont un problème très sérieux. Et lorsqu'on parle du pays, on ne doit pas être sentimental. Madame, Oyebi déjà que. Mboka na biso, ils ont traversé un passement terrible suite à un plan machiavélique orchestré de très loin. Et vous allez comprendre que nous sommes tous les cas. Nous sommes tous les cas. C'est-à-dire, nous sommes tous les batailles de Babi, mais plan A et simité B, et nous sommes tous les H, et même jusqu'à J. Mais pendant ce temps, l'homme politique congolais, l'homme politique congolais, ce n'est pas pour des postes et des positionnements. Au moins, c'est Moussa. Moussa, c'est un juriste, non? Il est face à quelqu'un qui n'est peut-être pas le monde de vous. Jean-Claude, je n'ai pas juriste. Mais lorsque Batouni Yawake, Eriot, une question à photo avec Fayoulou, Abiba Moussousou, tout ça, Aibisionine, j'ai des photos avec Félix. C'est-à-dire, un maître de procédure ne réagirait pas comme ça. Parce que lorsqu'il y a un problème, un fait social qui s'est. On dit, les faits créent les dons, comme il a dit. Mais la différence entre un fait juridique et un acte juridique, c'est l'intention d'agir dans le champ de droit. S'il n'y avait pas ce qui s'était passé hier, dimanche, personne ne viendrait. Les chantiers bâtis ne seraient pas mis en mouvement pour y avoir le bâtiment et tout ça. Elle bataille que il y a eu des images dans l'Italie, dans les États-Unis, par-ci, par-là. Bataille à la photo, na kingane. On va commencer maintenant à mettre en examen tout ce monde-là pour comprendre à la lumière. Maintenant, lui, un juriste, vous comprenez qu'il ne comprend pas ces choses-là. À tout moment, on a un sentiment. Il vous dit que nous avons un problème de cohésion nationale. Mais nous avons, je rappelle à Moussa, nous avons 450 ethnies et 250 tribus. C'est-à-dire, entre nous, nous n'avons aucun problème de cohabitation pacifique. 30 secondes. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, madame, que lorsque vous voyez un Congolais réfléchir comme ça, et de sur quoi un érudit, l'homme qui se dit intelligent, professeur qui enseigne aux autres, et il vient avec l'axiste, la plateau n'est pas boué. Ah, il sait que non, vous ne réfléchissez pas comme ça, il fallait ceci. Non. Le problème de notre pays est un problème très complexe qui demande à ce qu'un pacte social soit institué pour que les politiques soient ensemble merci par rapport au pays. Beaucoup. Mais vous voulez venir avec les sentiments, non? Et parce que bah, soit une élection, c'est un merci problème très sérieux. Beaucoup, Ndeko, Clément Moussa. Vos différents leaders ont été à la gestion de la chose publique, ils n'ont pas été à la hauteur. La parole, merci beaucoup. Ndeko, Clément Moussa. Malamboka, la situation de crise dans notre pays. Tous pris en otage par l'Union sacrée. Tata Mokambeko, la zone si bamba kekoso. Là-bas, ici, biso que bamba opé, ça biso ma liste. Comment est-ce que vous réagissez, vous, de les cider? Bon, maman, sincèrement, je vais vous dire, peut-être que Batoubalan d'Absolu,
C'est parmi les émissions où ils allaient vraiment médiocre et où ça. Moi, je vous suis, les gens vous suivent. Je pense que vous l'en avez dans commenté. Nous sommes venus ici pour des questions importantes de la République. Vous voyez comment le débat est organisé. Ça m'étonne un peu. Moi-même, je suis un peu surpris. Ni t'étais une certaine politesse, mais je pouvais quitter et partir. La monité, débat n'intoyé au salon, ah ouais, à fond, débat n'intoyé au salon. Parce que la politique, c'est une compétition des idées et des intelligences. On a une situation qui est arrivée au pays et que nous sommes en train d'analyser. Bon, moi, je comprends les amis. Et ils ont toujours un esprit moutonnier, permettez-moi les termes. Il y a Moulandaka, Kas, Oyobakoui Golova. Mais tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est Sobabini, Bakoutana, Bakombatan. Je pense qu'ils vont avoir des problèmes. C'est terrible. Les problèmes, les complots contre la République. Potosalana danger. Aujourd'hui, c'est le pays qui est en danger. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut tout m'attaquer un peu dans le débat. Les complots, ce n'est pas contre Félix. Les complots, c'est contre la République aujourd'hui. Dans ma dimension, en gros, Nyonso. Les lots. Mais moi, je pense que mon pays qui est en danger aujourd'hui. Tant que Lumumba Lubaki a posé une question à la balkanisation, on n'était pas encore né. Alors, ce qu'il dit, c'est le pays qui est en danger. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mais vous n'avez pas la parole. S'il y avait un candidat qui répond aux critères des Occidentaux, le pays ne serait pas. Vous n'avez pas la parole. Maître Clément Koba, c'est la réponse que je vous donne. Calmez-vous. S'il vous plaît, Ndeko Mouza, je vous ai juste dit ça. Comprenez ça. Ndeko Mouza, Koba. Le problème n'est pas contre Félix. Ils sont médiocres. Parce que les gens vous respectent. Mais pour Obimakaka, médiocre, il y a un professeur à l'université, il y a un avocat, un magistrat, un médiocre. Vous êtes excellent, nous sommes médiocres, c'est pas grave. Je m'excuse, je vous dis la réalité. Oui, oui, oui. Il y a un professeur à l'université, il est excellent ou lui. Vous êtes excellent. Avocat, un magistrat, un magistrat, si bien que les populations ont pas foutu en politique. Vous pensez que Mboko va fonctionner en ONG? Ici, nous sommes en train de faire la politique. C'est pas eu le thé, président. Ne me posez pas des questions, monsieur de la diaspora. Vous serez comme ça. C'est comme ça que vous avez dit que vous avez dit. Ça prouve votre incapacité à gérer le pays. Déjà, vous avez attentivité dans ma cambo. Incapacité. Non, oui. Vous êtes incapable de gérer le pays. Quelle est la solution que vous Vous pouvez remplacer Félix faire mieux que ce qu'il fait. C'est ça la politique était que. Non, non, non. Quand vous dites que vous gérez l'incapacité, vous voulez dire quoi? Voilà. Je vous protège, monsieur. Moubenga. Vous n'avez la parole. Moubenga. Sur Eurosal, débat, éclairer opinion. Mais je suis en train de parler. S'il vous plaît, monsieur. C'est vous qui parlez. Petit caillou là-bas, alors. Vous n'avez pas la parole. Vous vous adressez à moi. C'est pas ça. Vous vous adressez à moi. Monsieur Moubenga, vous n'avez pas la parole. Pourquoi tu cries? Petit caillou là-bas. Je suis en train de parler, je peux crier comme je veux, je ne crie pas. Ah bon? Ndeko Clément. Je ne crie pas sur toi. S'il vous plaît. Moi, je suis médiocre. Vous êtes excellent. Calmez-vous. Mais non, vous avez des titres apparemment, vous êtes très médiocre. Koba. Excusez-moi les termes, mais c'est ce que je constate. Je ne vous ai pas donné mon titre. Non, vous savez même pas. Ça, débat. On fait des débats avec lui, nous discutons, mais aujourd'hui, la réponse à ma question. C'est vous qui parlez de titre. Moi, j'ai parlé de titre ici. Madame, ma institution. Protégez ma zopétale. Je vous protège. Je ne sais pas combien de minutes finalement vous allez me donner. On est venu faire quoi ici? Monsieur Mouza, calmez-vous. C'est sa nature, il faut le comprendre. Monsieur Mouza, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous et parlez. Parlez calmement. Monsieur, on va vous écouter. Vous n'avez pas de leçons. Mais ne criez pas sur les gens. Hein? Oh, oui. Vous pensez que nous avons abondi? La question sur les institutions. De Komouza, KND, s'il vous plaît. Madame, tout ça, la situation où le lot, Mboké Zara passe. La Linga l'a pété. Le pays est en danger. Si elle pense que le complot, c'est contre Félix, moi je leur dis, le complot, c'est contre la République. Ça n'engage que moi-même. Mobutu était ici. On avait la situation de l'Est. Mobutu est parti. Laura Désiré Kabila est venu. Il a laissé cette situation, il est parti. Kabila est arrivé. Il a laissé la même situation, il est parti. Tshisekedi est arrivé. Il laissera peut-être cette situation. Parce qu'ils ne sont pas à mesure, il y a à résoudre rien. Les complots, c'est contre la République. Ce qui est arrivé. Oyoyaki lobby, ils ont sonné pour la bisoma congolais. Ils ont sonné. C'est-à-dire que, tolaki si bolumbu yamboka,
on a parfois du mal à expliquer. Tout le monde dit Mabilo Koué Koué Awanate. Tout le monde a une photo, c'est un groupe d'individus. Parce qu'il n'y a pas de possession, il n'y a pas de présidentiel. Mais tous les Congolais devaient se révolter. Tous les Congolais devaient se révolter. C'est comme ça que nous posons. Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a fait? Qu'est-ce que Moukoudia Déjà a fait à Sali? Moukoudia Aner à Sali Nini? L'aéroport à Sali Nini? Il y a des responsabilités. On peut bien parler des enquêtes. Mais oui, il y a une enquête à Moko, une place à Souka. Mais en attendant, nous sommes humiliés. L'Anda va témoigner, je suis dans la chaîne étrangère sur ce qui est arrivé. Il faut que vous mais je suis surpris que l'intellectuel, parce qu'on a encore même un problème, il y a individu. Donc, on voit ça normal. Batoubake, Nanda Kouya Kamere, Basale Yomanabango, Balongwe, Bake Bakoti, Batoubamonango, normal, non. Mais à un moment donné, il faut matin à niveau de gestion, mon cas. Tout n'est pas comparable. Pourquoi comparer pour Mila Liwate? Moussou Ola. Si les gens, les amis, ne comprennent pas que le pays est en danger, moi je suis très déçu. Je suis très déçu. Et surtout quand je suis dans un plateau comme ça, je parle avec quelqu'un de la diaspora. J'aime beaucoup mes amis de la diaspora, mais ils sont. Voilà, qui savent vraiment que ce sont des gens qui ne sont pas à la hauteur, ce sont des incompétents, excusez-moi les termes. Tel que Bamemi Mbokalelo. Moi, je pense que si on avait. Félix avait travaillé avec des gens avec qui nous avons combattu au Bazar à l'IDPS, Nandimi Koudouté, que tu vois, la situation, tu vois, là. Qu'est-ce qu'ils ont produit à la République? À part Moïbi, à part détournement, à part tout ce qu'ils ont fait là. Qu'est-ce que ces gens ont fait de façon générale? Même si l'exception est en mardi. Parce que tous les jours, ils ont fait un peu de temps, Nous sommes Congolais. On est fiers, tout le monde est fiers dans la patrie. Ce qui s'est passé hier là, nous attendons que cette fois peut-être que nous avons une banquette. S'il n'y a pas de banquette, ou même si on peut donner la solution, mais tout maintenant, on est préoccupé à ça. Une minute trente. Parce que je vis comment les gens ont parlé, mais maintenant là que je parle des choses sérieuses, il y a une minute, madame. Ok. Vous avez posé une question fondamentale. Personne n'a pas mis balai à répondre. Par rapport à ce qui est arrivé, personne n'a répondu. Ah bon. C'est pas vrai. On va se substituer à. Nayoki Ndegualobi. Aux enquêteurs. Constitution. Alobi Bouyou. Votre question est capitale. Félix. La propagande à l'objet la moindre escarmouche n'a pas été réunie les deux chambres de la femme. Est-ce qu'il y a eu Kazaïna deux chambres au Parlement? Il n'y a pas de mais il y a eu la condition de constitution imposée. Il y a eu bien moi. Et qu'il y a un moment où il y a eu mais il est venu le 20 janvier dans le stade. Il a balayé la menace non sur contre le Rwanda. Aujourd'hui, je veux bien qu'on fasse ce débat-là entre juristes. Parce que vous avez posé des conditions. L'article 48 de la Constitution est posé par condition. Il y a même un délai. Au cours du sous de parlementaire, il y a même un délai. Quand ça monte à débat, il y a un débat dans le monde, il y a un débat dans la nature. Parce que sociologue, mais politique, juriste, ça va aller et puis ça va étincer les gouvernements. Oui. Il faut. Je ne veux pas perdre le temps. Que les amis lisent tout simplement l'article 148 de la Constitution. Parce que ça a contenu. C'est beau bien, Robert Tatoulawa, nous allons changer la Constitution. Mais au lieu de la réunion, nous avons entendu ce qu'ils ont dit. La responsabilité, ça n'a pas battu Moussous. Ma bête, ça n'a pas battu Moussous. Maintenant, on attribue même situation, comme ici, Mboka Boye, on attribue même la question de l'élection. Comment on appelait ça alternance. C'est très dangereux, madame. On est à la prémisse. La dictature est en train de s'installer. Pour la conclure, dans le dossier rôle, madame, je suis venu dans une émission Oyo, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit parce que, bateau Oyo présenté les lobes,
Ils n'ont qu'un esprit moutonnier. Permettez-moi, je suis franc et j'adore aller. Mais vous avez bah, il y a un débat où il que tout ça, le débat d'idées. Ça veut dire que Bayer, Bayer ne peut pas flatter. Lui doit être. Tout ça, il y a flatterité. Mais tout ça, il y a pas valeur. Il a dit que nous, on a pas répondu. Mais lui n'a pas répondu. Voilà, ils sont en train de poser comme des. Merci beaucoup. Les noms n'ont que tout ça. Il n'a pas répondu. Il a pris 9 minutes. Vraiment. L'État a fait l'autre. Il y avait 19 minutes. L'État a motonné. Ça fait. L'État a tissuté. L'État a traité. L'État en a pris 12 minutes. L'État en a violé. Population, elles ont souffri. C'est pas vrai. Oh, il y a un moment où on a un parlement. Évidemment. Bango va le battre. Donner des solutions à la merci beaucoup. Ndeko, merci beaucoup, Ndeko Clément. Merci beaucoup. Toshite. Ndeko Clément, lobby, lobby. Après, c'est à répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Toshite. Il faut répondre, c'est hier non plus. Ndeko, tous à la patriote, c'est d'abord notre pays, c'est d'abord le Congo. Non, mais les gens ne comprennent pas la situation du pays comme ça. Ndeko Mubenga, votre mot de la fin. La question se pose dans l'opinion. Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Pourquoi il n'y a pas de mesures après ce qui s'est passé hier? Est-ce que ça fait Salemi et Pelé qui topé service, mais pourquoi, par exemple, frontière et calamité? Pourquoi il n'y a pas de mesures de sécurité dans la ville? Tout se passe comme si rien n'était. Oui, oui. Message pour la population congolaise en général. Je venais de le dire, je répète que les enquêtes sont en cours. Tous les services ont été. Hier, il y avait une grande réunion et nous attendons que les responsabilités soient établies. On ne peut pas aller vite à la conclusion parce qu'on risque de faire des conclusions qui ne sont pas, bonnes. Il y a le fils du leader qui est là, qui pourra parler. Il y a ses complices qui étaient venus comme des hommes d'affaires qui doivent parler. Il y a le téléphone de Christian lui-même qui est déjà saisi. On a tous les éléments là-bas et si on commence à dire des choses ici, ça va donner la possibilité aux gens de fuir, de disparaître et tout ça. On laisse que les choses avancent, mais rassurez-vous, cette situation nous a tous plongés dans la tristesse. Nous étions tous abattus hier à voir que ces individus étaient dans les bureaux du chef de l'État. Nous avons des services qui ont montré beaucoup de failles, mais voilà, ce n'est pas à notre niveau de pouvoir, nous en tant que co-débatteurs ici, de pouvoir venir ériger un tribunal. Message la population. Message ça qui est tout linga Congo. Pour l'instant, Bitumba, tout ça dans le Congo, ils allaient Bitumba ya Mundele. C'est eux qui ont vu le miel chez nous, qui veulent nous déposséder de ces miels-là. Ils veulent nous prendre tout. Félix a dit non. Vous venez, nous travaillons, nous sommes dans un nouveau monde. Dans le 21e siècle, nous devons travailler comme des personnes qui se respectent. Pourquoi en Occident, vous traitez les Noirs toujours comme les sous-hommes? Nous devons avoir un franc discours, un franc... franche collaboration. Hein? Oui, regarde, donc on doit se respecter. Vous nous respectez, nous vous respectons. C'est pourquoi la Chine et la Russie nous respectent. Ils viennent, ils peuvent avoir les portes ouvertes. En d'autres termes, vous venez par la fenêtre et le temps là est déjà révolu. Donc la guerre que nous avons, tout ce que vous voyez, Christian, incursion, tout ça, c'est l'extérieur qui continue à tenter comment déstabiliser Félix. Je l'ai dit, c'est un chantage. La guerre à l'Est, c'est un chantage. Très bien. Donc, que nous tous, en tant que peuple, nous soyons unis. Le frère a dit, nous sommes 450 tribus. Nous n'avons aucun problème de cohabitation. Les Mungala, les Mulouba, les Mukongo, les Muswahili. Nous vivons en paix depuis des millénaires. Ici, il n'y a aucun problème de cohésion nationale. Cohésion nationale, c'est quand son parti n'a pas... Non, ne s'est pas retrouvé, n'a pas de... Merci beaucoup, pas d'attaque, s'il vous plaît, merci beaucoup. Ils ne sont pas, là. Donc maintenant, on nous dit, non, il faut aller dans un dialogue. Dialogue de quoi? Merci beaucoup. Lui n'a pas de problème avec lui. Donc nous tous là, nous vivons bien. Vous sortez dehors ici, vous voyez que la vie est normale. C'est vrai qu'il y a des choses que le gouvernement, nous attendons que le gouvernement arrive, que la vie de la population puisse
Hein, c'est... Déjà 5 mois de retard. Oui, nous condamnons cette attitude de nos députés qui continuent à se battre là-bas parce que leur positionnement et tout ça, nous connaissons ça. C'est pourquoi le chef de l'État leur a donné les derniers avertissements. Et si cette crise persiste, il pourra prendre ses responsabilités. Merci beaucoup, Ndeko Prof. Yendi. Que retenir de votre passage ce jour sur le plateau pour Nako? Merci beaucoup, maman. Je suis ici, le Black Lake Cambouya. Oui, Salamanti et Painabiso, tentative à coup d'État. Makanisi, comme tout Congolais, nous condamnons, comme tout Congolais. Castolobi était ma service Nabiso et à sécurité. Et parce que ma cambo n'est quoi ça là qui n'a pas réseaux sociaux moi tant mon laï aïe banaki tazali un élément nuisible que l'on pouvait contrôler banda ko banda iska là qui n'a ni banda pour n'a quoi anticiper ni cambo et salami awa mon salaire à l'état topé par service à mon pinga et ali ko boya ko salete ban kou faille ça le matin hein, donc ko anticiper mais ceux qui bon dimi était bon, en fait, ceux qui vont anticiper, c'est que ça les mettre mon salaire n'est seulement out. Donc, c'est que les taux, mais qu'un peu dans l'arène, et moi, regardons sur mon cannabis. On a quand ça qui nous avons évoqué une question ici très sérieuse. De quoi le bagage, quand vous avez juste posé la question relative à le bac chef de l'État, l'Ungar, le bien dissoudre le Parlement. La canne, le conflit qui va se poser, d'abord, nous sommes dans un régime qui n'est pas présidentiel parce que le chef de l'État, en fait, le lien entre le chef de l'État et le Parlement est supposé. Être un peu pas ces liens-là, il y a collaboration, oui, mais la collaboration n'est pas fonctionnelle, hein, n'est pas fonctionnelle, parce que le chef de l'État n'est pas le produit de la majorité, c'est le gouvernement qui est en fait le produit de la majorité. Confluent les accords entre gouvernement na parlement. Exécutif et ali chef de l'État, parce que dans l'exécutif et ali bicéphale, il y a le chef de l'État et il y a le parlement. Donc, par condition, Batoba Tanga, comme on a été, ils ont la cabongoté. Mais le grand problème, ce n'est pas pratiquement Très bien, merci Ndeko Eli Beni. Votre mot de la fin, maître. Merci, madame. Je crois que et c'est retenir que Mboka étant Moussamara d'abord, Nabolimo Nabomoko. Parce que ce qui doit être retenu que les politiques congolais est plus attiré par le pouvoir, l'argent, et non par l'amour du pays. Et j'en veux pour preuve, et le Rouban de Roubaoloba, Rokimouza Lobby, il y a l'occupé à accentuer, mais Bazobo, ça n'a donné une mot très très importante. C'est vrai, Mbo, comme disait Rotoukama, mais Mbo, quand on a eu un bateau, Bazali, Kokambayango, dans le monde à l'élo, il faut se positionner dans un bloc tel. Ton bloc tel. Or, le bloc capitaliste, aux alina autant avec les États-Unis en tête, la France et les autres, il faut vraiment débat dicter le lingue de Sengelo Tambola. Ni le Sengelo Sala, ni le Sengelo Salate. Le chef de l'État, lors d'un état, d'un point de, disons, une émission récemment en France, a éclairé Batou. Et puis, ça a été relayé par le monde entier en commentaire. Mais je comprends que nos frères, bazo comprendre m'emboîter. Parce que ce qu'il faut retenir est que si Félix était dans les mêmes esprits naba occidentaux, mais bitumbalinge rozalate, guerre à Est n'est rozalate. Or, elle va concevoir la guerre à Est en 1994, dans Bill Clinton avec les autres, c'était pour justement créer une situation, comme on dit dans les protocoles de sagesse, que je recommande aux autres de lire. C'est très important. Parce que les génocides rwandais avaient un prétexte pour nous rejoindre là, au côté du Congo, copier, minérer. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on a un homme, un seul homme, qui a été Bango, à Boïnion, Souana, Bango, Bazo, Yalango, Aïbisi Bango, venez par la grande porte, pour collaborer avec 50-50, vous avez besoin de vous faire. Alors,
Et là, quoi, on a pas de gros, on va comprendre. Mais ce qui les intéresse, c'est soutenir la thèse du Rwanda, c'est soutenir la thèse de l'Occident. Or, que la politique étrangère se définit comme étant la façon dont un pays entrevoit ses relations avec les autres. Or, pendant que Bissot Vanda a toujours loba loba, net bango ba loba, on ne dit rien. Mais alors que l'air du discours est creux, pour dire que bango baza na ba carnet d'auto ça les missions, ils sont en train de noter. Merci beaucoup. Hein? Voilà, tel a dit ceci. Et ils exploitent. Ben moi, justement, ce sont eux qui sont en train de servir Occident pour continuer au tout en bas à la maison. Ça, c'est la politique extérieure. Non, non, mais. Mon cher ami, vous êtes venu sur la scène politique. Apprenez ces choses-là, vous n'aurez pas de difficultés. S'il vous plaît. Merci. Madame, merci de nous avoir invité. S'il vous plaît. Ndeko Clément, vous avez la parole. Que retenir la partage? Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, pour Nanga 1 avec événement au Tozo qui lobby que nous condamnons étant donné qu'ils a force en tout cas Tozo a besoin d'une enquête moko sérieuse pour une fois que les responsabilités soient établies et surtout des hommes clés en termes à l'institution Bajiraka doivent être entendus par rapport à ça tout le monde a abstraction le plus rapidement possible. Les lots sont dans la situation où ils sont en danger. Chaque jour qui passe, danger est accroître. Que les amis comprennent que c'est la République démocratique du Congo qui est visée. Ce qui est basé sur l'individu, ça va être une grosse erreur. Député, Azali Moutaleta. Soldat, Pazan Moutaleta. Policier, Pazan Moutaleta. Les lots sont qui, policiers, n'ont pas besoin de la. Dans le moyen temps que nous louons, nous avons un et ça a passé. Parce qu'il faut à la fin du mois 280 000, alors que vous avez des gens qui détournent matin, midi, soir. Pour une information, là, un policier français touche au minimum 33 150 000 par an. Héros. Donc, il est plus que le chef de l'État. Ça, c'est un mensonge. Aux environs, je dis bien par an. Mais il doit donner ce qui est donné. Ça, c'est mensuellement, c'est autour de 2750 euros par mois. Donc, pas comparé à Pongi Tenaliwa. Deuxième chose que je veux dire, avec ce qui est arrivé, il faut tout tirer bisounours sur la conséquence comme Congolais. C'est vrai qu'il y a des frustrations. Mais les comportements Oyo, bah, Congolais, Bélé, Bazouké, chaque fois qu'il y a des frustrations, il faut Simba Mindouki pour que Congolais Moussouba Koufa. Il faut tout dénoncer. Parce que ce n'est pas ce que dit notre Constitution, ce n'est pas ce que dit les lois de la République. Troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, tu es patriote. Nous devons rétablir la cohésion nationale qui est ébranlée. C'est un élément très important pour que notre nation ait subsisté. Tant que Torosala est en route, nous allons continuer à sombrer dans le clientélisme, dans le fanatisme, nous allons toujours vivre le lot. Et il faut qu'aujourd'hui, au vu de tout ce que nous voyons, moi je vais recommander à ce que les gens de bonne volonté créent un cadre où les politiques congolais doivent parler de la République. Les dialogues. On a vu ça en France. Bah ouais, il souffre. Dans la France, avec les problèmes de la sécurité interne, bah ouais. On a vu Macron qui était entouré avec les hommes que vous connaissez et ils ont parlé de la France. Et en dernier lieu, nous vivons dans le silence face au génocide congolais. Les génocides congolais, ils sont réels. C'est rien pour nous. Les Congolais aujourd'hui, au Bakoufi, c'est plus qu'un pays comme la Namibie. C'est plus qu'un pays comme le Gabon. Mais nous sommes au Salama, sous le silence, il y a communauté internationale. Il appartient aux Congolais aujourd'hui. Ils pensent que sauver Mbokao et au Talibanda. Ça partira des Congolais eux-mêmes. Merci. Voilà pourquoi nous devons prendre mais pas des Congolais très nourris. Maître Clément, pas vous avez décidé, Maître Ndeko Jean Moubenga, Moko Eba, patriote congolais, Ndeko Eli Beni, Moko Yalisanga, ya Union Sacrée, mais président à parti politique, peu personnalité, prof et Yeni Edi, ya Nouvel Elan, Ezalaki, Pona Congo, Tokutani. Prochainement, bon début de semaine chez vous et Nabosana Torobate, Tolinga Congo. Au revoir.
Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Continuez à vous comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour continuer à la bande de Kombongo. Dans ce cas, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, il y a continuer la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manila, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et qu'on tindi na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokonalelo, Marambaro, Télémanagent, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.